n'a mené opération tout côté yo connaît comme espace que la police a pas garanti. La police a gain autorité sur tout territoire. Pas un petit coin dans pays que la police pas rentrer levé. Et c'est ça qu'on a décidé rentrer village de Dieu pour poursuivre traquer bandits depuis quelque temps a fait des ordres kidnapper moun al météo en dans village de Dieu. Yo l'autre fois go, bonjour bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Mombad Media nan là depuis Mombad de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombad Media Now là. Bien nous pas perdre du temps, n'a commencé. Cool yeah. Visiblement c'est dans cadre d'évaluation de tout travail qu'a fait yo dans tout pays hein. Je dis à nona la Tibonite tout aller dans le nord-ouest et puis nous aller et dans nord, nous aller dans nord-est. Et président gagne pour la zone dans tout pour nous voir comment travailler marcher parce que nous veut travailler aller vite parce que titan coûte il était nous à peine 16 mois au pouvoir donc il faut nous faire maximum de temps pour nous rattraper tout temps perdu dans le pays lock dans coronavirus je dis à nous dans Dobidou c'est ça du Bédou côté où est ces nouvelles trajectoires ou bail route là et ancien ancienne route en bas, tout à l'heure, nous allons passer la donne. Et ouais, hauteur qu'il sortit, il a cassé avec excavatrice, avec matopique, et pour faire route là. Et passer la Tibonite là, sur National RN5 là, c'est 44 km. Donc, au divers, marché sérieusement la donne. Donc, au divers, bon côté, là, libéral dit non. Et quantité le fait, qui ça l'a fait semaine ça? Moi, la préfère terrassement. Il y a des côtés la pète en OB, c'est plus tard demain. Et nous-mêmes dans nos zones, pour nous encourager, pour nous voir comment travailler à marcher, qui s'est manqué, pour nous accompagner là-dedans. Et puis, le président, tout cas, pas accompagner, non. Je profite et remercier le ministre Pinassan, qui n'a pas bouqué et accompagner, non, pour les noms qui s'en ont besoin. Pendant que nous avons parlé avec moi, et je dis merci. Et c'est synergie, ça cap développer ensemble, là, cap fait nos résultats qui nous devons là. En pile satisfaction, d'ailleurs, pas pour compte, c'est mon équipe, son team. Team n'a gagné la présidence, et notamment le président, les gagné ministre, puis la donne, et non, les gagné ministre travaux publics, accompagné de toute équipe, là. Et encadré tout par premier ministre, c'est sûr que résultat n'a pas eu. Non, Dili, président Dili, route, Kafoujor, port des pères, avant président aller, lui promettre pour le bail, la bail. Donc, je n'ai pas besoin de répéter encore l'ensemble des contraintes que nous avons rencontrées qui passent là nous aujourd'hui. Hein. Donc, une chose qui est certaine, nous mobiliser aujourd'hui hein, pour nous faire route ça. Route ça qui est plus de 50 ans à 60 ans, chaque gouvernement, chaque régime qu'elle a construit, et mon port de paix doit réjouir aujourd'hui hein, son réalité. Et moi-même, entre l'aime de commencer à faire route là aujourd'hui, hein, moi, c'est pas yo changer sérieusement. Et mon bassin bleu, relève pour le dire, comment qu'on y a un petit temps très court pour sortir et la cul pour arriver bassin bleu, comment rapidement y arriver. Donc, tout le monde, en nous mettant tête ensemble, en nous quittant petit temps passé, donc 16 mois, quittant le passé tranquille pour, la Tibonite ka joine, Port de Paix joine, et au Cap joine, Nord-Est joine, Grand Dan joine, on croit tout pays a besoin par on a tiré sécurité on nous propose ensemble Dibedo c'est là où tu l'as passé et mon jeune en pile doléance les moun yo pas en bas yo dit qu'on a des petits problèmes et une fois pour toutes n'a dit moun yo trajectoire où tu l'as gagné avant c'est pas là la passe encore c'est exactement là la descente devant cimetière Dibedo normalement on a fait coupe de fondation et après-midi à nous gars soit la mettre du côté de Marose et nous tout matériel là il est en branle. C'est, j'en note toujours dit là, c'est dans la cuisine, là, c'est là qu'il y est, et c'est là qu'il faut aller pour prendre ce fat là, pour venir là avec elle. Et nous avançons sérieusement, et nous connaissons déjà ça, nous ne pouvons pas parler des projets encore, et c'est réalité à nous vivre là, et nous travaillons chaque jour pour nous remettre tout ça, qui c'est route qui a fait le job.
descendre la rivière là même. Là où elle prend Ramblais, elle prend tout venant pour le transformer en 0,35, 0,40 à la limite, pour la servir comme puits de base pour faire l'autre. En même temps, elle prend Ramblais pour faire puits de fondation. Il va trouver dans directement faire couille de fondation. L'elle vient faire couille de base là, qui m'a donné un matériau beaucoup plus homogène. Donc l'appel là à partir de gravel ça mobile ça là et c'est ça monde moderne là bas aujourd'hui. Pas oublier qu'on gravel nos espaces n'importe quoi trop besoin à la velle ou à la velle et pour faire matériau hein, pour venir servir à velle sous si qu'on y a pas servir dans zone sans quoi jouer dans notre rivière ou bien même rivière ça passer dans zone ou démobiliser ou à déposer dans zone là pour faire matériau qu'on besoin. Donc c'est ça le besoin là bon. Ou elle y a toute l'équipe là, il y a la Itaoué là pour travailler la journée tant qu'on a nuit. Donc c'est ça, tout élément que nous mettons ensemble, Capanon permet d'avancer dans le monde. Gravel nous gagne qui fixe la cul là. C'est là que nous faisons 6, 6, 10, 12, 20, nous avons produit asphalte là. Mais les produits pour asphalte, nous sommes obligés de changer ta mienne si nous besoin de faire 35. Gravel mobile là permet que nous n'avons pas besoin de faire ça. Si nous avons produit pour asphalte, la kil nous produit pour asphalte net pendant ce temps, la produit pas de couche de base là dans mobile. Opération, la police a mené dans le village de Dieu dans la nuit hier soir. Comme nous connaissons, mission de la police censée protéger et servir la population. Depuis quelques temps, les bandits armés prend le malin plaisir pour perturber le fonctionnement régulier de la population, prend en otage des quartiers et des zones que nous prend mauvaise habitude pour appeler des zones de non-droit. Eh bien, sous commandement PAM, depuis quelques temps, nous voyons que la police la prend l'autre direction. La police a pris responsabilité pour le protéger et servir la population. C'est dans la logique ça. Depuis quelques semaines, nous avons mené opération tout côté nous connaît comme espace que la police n'a pas garanti. La police a gagné autorité sur tout territoire. Pas un petit coin dans le pays que la police n'a pas garanti, levé. Et c'est ça qu'on a décidé de rentrer au village de Dieu pour nous poursuivre, traquer bandits depuis quelque temps, à faire des ordres, kidnapper les gens, à le mettre en d'un village de Dieu. La police dit, faut que ça finisse. Nous rentrons, nous courons derrière eux, et nous prêtons pour nettoyer le village de Dieu. Donc, pour l'autre côté, qu'il y a kidnapper les gens, moins des populations à l'argent dans une situation difficile. Ce n'est pas seulement le village de Dieu. Il y a l'autre côté dans le pays que nous allons continuer de travailler. Dernièrement, il y a des bandits qui envahissent Wané. Wané 87. Policiers, commissaires, Kafouyo prend disposition avec les mêmes moyens que vous avez gagné pour repousser les bandits. Nous allons continuer de faire travail ça. Tout reste temps jour dans le mois de décembre. Pour que la population, à l'approche des fêtes de fin d'année, qui a vaqué à l'occupation, pour finalement, pour en bas la ville, pas toutes nos zones que le monde n'a pas passé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ne pas tolérer. On a pris toutes mesures et on a commencé à prendre mesures déjà avec le commandement de la police, avec l'unité spécialisée, pour nous rétablir l'ordre, pour que Mounio a commencé à sortir le soir, pour que, à l'approche des fêtes de fin d'année, Mounio a commencé à partager entre eux, pour que l'État lui-même tout prenne disposition pour éclairer zone ça, pour que Jean, président pays, CSPN, pour mettre lui, la baille la police là, et le commencer, baille la police là, tout appuyer lui, pour lui mettre l'ordre. Bandika fêté, pensez au cap fêté pendant 2-3 jours, 2-3 semaines. Mais il faut que vous connaissiez, faut que Bandika connaisse, durée de vie très courte.
pour appliquer, pour exercer mission. Moi, je dis population, continuez à porter appui à la police. Jean Yoffel, dans le cas hier soir, là. Moi, je demande à la population pour l'ordre qui a rétabli, pour continuer, pour être capable de vaquer à l'occupation. La police a besoin de la la police a besoin d'information. Et n'a pas besoin de peur bas information parce que le plus d'informations que nous recevons, et c'est plus de zones que nous allons libérer pour nous reprendre contrôle toute zone que y a dit de nos doigts. Pendant que nous mettons l'ordre, pendant que nous faisons effort pour nous courir des bandits, pendant que nous faisons effort pour nous bailler sécurité, ce n'est pas bandits seulement. Mais il y a un mouvement qui est le 609 là, qui n'est pas policier. Parce qu'un policier en uniforme n'a pas qu'à bouler machine monde. Un policier en uniforme n'a pas qu'à craser, briser nos villes. Je me dis, la police dans son job qui est noble. Principe nous, c'est loyauté, discipline, engagement. Donc, un monde qui n'a pas qu'à, un policier qui n'a pas qu'à suivre le principe ça, place li c'est dans l'autre institution. Même j'ai un bandit qui a kidnappé moun. Place yo, c'est l'autre côté. C'est pas village de Dieu. C'est pas Belé. C'est pas Gravine très bientôt. Moi, je voulais faire préciser ça avec les unités spécialisées que me présentaient. Félicitations, moi, pour le travail qui fait hier soir, pour le travail qu'on continue à faire, pour que nous-mêmes, peuple haïtien, pour nous continuer à appuyer la police noire, pour nous reprendre le contrôle de la zone ça, pour que le petit pays qui vive en paix. Je vais prendre deux questions. Opération qui fait hier soir là, c'est une dans série d'opérations que tu as commencé déjà, que tu as continué à mener dans la zone métropolitaine là pour le moment, pour nous permettre à la population de vaquer à l'occupation pendant la période fête Noël. Nous rentrons au village de Dieu, nous avons été au village de Dieu et nous avons continué à nettoyer le village. Ce n'est pas le village de Dieu seulement, je me dis là, tout l'autre côté qui présentait même quatre figures. Moi, je vais faire bilan. Bilan, nous-mêmes, nous allons faire. Le fait là, le soutien dans la rue, la police avec nous. Nous allons faire effort pour nous plus présents dans la rue pour que nous nous sentions plus à l'aise avec la population, avec la police panoise. Nous courons, nous avons couru dans l'eau. La police a gagné façon pour reprendre le contrôle total du village là le plus tôt possible. C'est très grave de ce que jusqu'à date, pour qu'on ait aucune assise, aucune discussion qui fait entre le ministère de la Justice et le collectif des magistrats debout, et même avec l'Association nationale des magistrats haïtiens, parce que nous pas qu'à permettre nous jeudi à la fermer la justice, parce que le commissaire gouvernement est très important pour le système, non, parce que comme moi dit, toujours dit, le commissaire gouvernement, c'est lui-même qui peut mettre dossier en état, c'est lui-même qui peut bailler réquisitoire, c'est lui-même qui peut bailler compétence à tribunal là. Donc, nous pas capables de permettre nous quitter le tribunal de la ferme pendant que le commissaire gouvernement ne même pas travaille. Alors que le commissaire gouvernement, je dis, il n'a pas demandé d'augmentation de salaire, il n'a pas demandé de bagages qui sont nouveaux, c'est justement il a demandé l'application de la loi de 2007. C'est-à-dire pour avoir le même traitement avec
tout magistrat, parce que loi 2007 là lui-même il parlait de grade, il parlait de rang, il parlait de fonction. Yo. Donc en dans système non, magistrat qui en dans la cour de cassation, hein, juge que la cour de cassation, hein, l'état doit même traitement avec commissaire gouvernement qui dans la cour de cassation, hein, parce que c'est le magistrat oui. Même gens avec la cour les cours d'appel, yo, même gens avec tribunal première instance. Donc lorsque il y a un traitement est disproportionnel, il y a un traitement de poids de mesure, ou t'as dit qu'il y a une même discrimination au niveau de traitement qui gagne en dans le système, non, il vient mettre nous dans une situation côté que Jodia, magistrat de Bouyo, est obligé de camper, et nous autres au niveau de l'ANAMA, nous sommes très solidaire avec les magistrats et avec le commissaire gouvernement. Et nous souhaitons que le ministre de la Justice, qui sont magistrats tout, les prennent les mesures urgentes et nécessaires pour que, je dis à même, je suis à parler à magistrats, pour nous résoudre le problème, non, parce qu'on ne peut pas faire souffrir les justiciables qui a payé taxes et qui payent le commissaire gouvernement et qui payent le ministre de la Justice à tout. Parallèlement, pour d'appel au risque, tout se passe un an, ça a son dossier, monsieur Debré, tout se passe un an, pas fonctionner, parce que le commissaire gouvernement, pour d'appel, nous n'avons pas un siège dans le nouveau local parcours que le CSPJ est là. Moi-même, parce que c'est un problème qui est à moitié résolu. Pourquoi c'est un problème qui est à moitié résolu? Parce que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, c'est dans le nouveau local que CSPJ et l'OEA, c'est la donne qu'il t'a prêté serment. Et CSPJ lui-même parle le local là parce qu'il voulait diviser la justice là. C'est parce que lui souhaitait que la cour d'appel, lui dynamique, lui fonctionnelle. Parce que l'insécurité qui gagne au niveau bicentenaire là, cause que la cour d'appel pas de capable fonctionner parce que magistrats ont menacé et bandits ont même yo toujours continué à opérer au niveau de bicentenaire là. Puisque a opéré au niveau de bicentenaire là, yo cause que la cour d'appel, comme nous dit que comme ce gouvernement c'est dans la cour d'appel là que le prêté ça, le problème est à moitié résolu. Maintenant, et nous pas capable de dire que nous allons rendre que l'État son bagage personnel n'a fait l'accord gueule nous, n'a fait le selon j'en ont pensé, on moune pour mon solita pal, l'autre là pour mon solita pal. Non, non, non. Il va falloir que le ministre de la Justice il chita avec CSPJ pour résoudre le problème. Non. Le commissaire gouvernement a toujours été dans le local au niveau du bicentenaire pour question administrative. Et puis, pour audience, il a monté parcours, il a fait audience. Ça va permettre que arrêt au rang, moun qui n'a prison, et si il a libéré, il a libéré, si que il a condamné, il a condamné, et ça pourrait permettre au moins que la justice dynamique, la justice fonctionnelle, et le ça n'ont pas violé droit moun yo, parce que lorsque yo même yo paye taxe pour payer magistrat et que yo même doit yo violer dans prison hein, côté que yo pas capable paraître devant juge yo pour tendre ça pour konso yo, donc nous pensons que li pas acceptable et moun kap gade nous dans notre pays y a dit que nous trouvons une situation côté que nous même nous pas fait droit, nous pas gain état de droit et la justice lui même a violé droit moun dans pays d'Haïti. Et nous pas ta souhaiter, nous y a tout juif ça, et bien nous avons les doigts. Nous ne sommes pas ici pour célébrer la performance, ni pour fêter, mais de préférence pour se rapprocher. Pour réfléchir ensemble sur comment nous pouvons faire mieux, comment nous pouvons renforcer les liens. Je reconnais malgré nos efforts pour améliorer l'environnement des affaires, beaucoup reste à faire. Les performances économiques ne sont pas excellentes. Et ceci pour plusieurs raisons, notamment le climat d'instabilité politique chronique. Et vous vous souvenez, ma fameuse phrase de campagne électorale, je disais souvent que la stabilité politique est le premier des biens publics. Il ne faut pas oublier aussi la pandémie de COVID-19, l'instabilité entraîne l'insécurité. Aujourd'hui, nous vivons des moments extrêmement difficiles dans le pays. Et je sais que le Premier ministre, chef du CSPN, il est en train de faire des efforts considérables avec les forces de police pour donner à ce pays un cadeau. Quand je parle de cadeau, je veux parler d'un cadeau de Noël
qui en fait la paix et la sérénité dans les foyers. Nous sommes d'accord que notre économie ne performe pas au niveau de son potentiel réel. Les investissements privés ne sont pas suffisants pour générer le niveau d'emploi nécessaire pour assurer le bien-être de la population. Malgré nos combats pour l'amélioration de l'accès aux crédits et les multiples programmes d'accompagnement des entreprises, le financement reste un défi pour de nombreux porteurs de projets, notamment les jeunes. Nous avons tous une responsabilité par rapport à l'avenir de ce pays. L'État ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes. Je tiens ma main à vous, tout en saluant vos multiples contributions sous diverses formes. Ce sont vos taxes qui ont principalement permis à l'État de financer ses projets et poursuivre avec les objectifs de développement. L'État et le secteur privé, je veux parler du secteur privé, n'ont aucun intérêt de se confronter. Mais de préférence, ils ont intérêt à se rapprocher pour définir ensemble un modèle gagnant. Si le pays va mieux, il sera mieux pour nous tous. S'il va mal, nous allons tous souffrir. Nous avons le devoir de faire mieux pour la croissance et l'emploi. En tant que chef de l'État, je m'engage à continuer à vous offrir le cadre attractif nécessaire. Les travaux d'infrastructure se poursuivent en matière de route, d'énergie électrique. Les résultats d'ailleurs en matière d'accès à l'électricité se font sentir, sans compter les multiples investissements en infrastructure agricole. De notre côté, la réforme de l'administration publique se poursuit pour rendre les procédures plus fluides. Les diverses mesures de la Banque de la République d'Haïti, du ministère des Finances et du ministère du Commerce ont contribué à faire baisser le taux de change et les prix sur le marché. Ce qui non seulement a grandement soulagé les consommateurs, mais aussi a rendu moins cher les opérations des entreprises. Aujourd'hui, l'une des principales préoccupations, c'est la sécurité. Je suis conscient de ce défi et de l'incidence négative qu'il a sur vos activités. Mon administration est en train de travailler pour apporter des réponses à beaucoup de monde. Et les résultats se font sentir, on le vient de le dire, bientôt. J'ai une tiers confiance dans le Premier ministre qui dirige le CSPN, le ministre de la Justice, ainsi que le nouveau directeur de la Police nationale d'Haïti. Ils sont tous instruits. La société est impatiente et veut vivre dans le calme et la tranquillité. Je compte ainsi sur vous. Le secteur privé des affaires, pourvoyeur d'emploi, source de recettes publiques, mais aussi catalyseur de la croissance économique, à m'accompagner de cette lutte pour la recherche du bien-être pour tous. Nous avons tous intérêt à avoir un pays plus digne, plus développé, plus riche, plus moderne, plus stable, plus institutionnalisé. Aujourd'hui est jeudi. Je reviens du Nord-Ouest. Lundi matin, j'ai laissé la ville du Mosé-Nicola à 2h. Je suis arrivé à 2h de l'après-midi, je suis arrivé à Port-au-Prince à 2h du matin. J'ai fait peut-être 2 ou 3 arrêts sur la route. Mais je dois vous dire, cette route, elle n'est pas longue, elle est mauvaise. Le membre du secteur privé, ici présent ce soir, ont cette même sensibilité sociale avec moi et les membres du gouvernement. Les membres du secteur privé, ici présents ce soir, comprennent clairement qu'est-ce que ça veut dire que le pays en dehors. Haïti a besoin de vous. Vous êtes des fils de ce pays. Vous êtes des filles et des fils de ce pays. Le pays ne peut pas marcher sans son secteur privé. Nous sommes, en fait, condamnés à vivre ensemble. Mais nous devons avoir le courage aussi de nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour dire la vérité, rien que la vérité.
le problème de stabilité politique que nous sommes en train de connaître aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un ensemble de mesures, je dirais de mauvaises décisions, qui ont été prises par rapport au passé. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous voulons nous mettre ensemble, nous devons, je dirais, nous mettre ensemble pour dire non à ces groupuscules, ou bien à ces gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence. On leur dit aujourd'hui, Haïti veut prendre un autre chemin. Le chemin de la cohésion, le chemin de l'entente, le chemin de l'union, le chemin du vivre ensemble. C'est pour ça que je me bats depuis mon arrivée à la tête du pays pour mettre en place des réformes, parfois ambitieuses. Je prends l'exemple du secteur de l'électricité. Je suis en train de me battre pour électrifier ce pays. Parce que je crois fermement que l'électricité n'apportera pas le développement, mais c'est un prérequis au développement. Nous ne pouvons pas parler de développement sans l'électricité. Je me bats à électrifier tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je veux parler des 147 communes du pays, parce que toutes ces petites villes font partie d'Haïti. Et je vous invite d'ores et déjà à visiter ce pays en dehors du Bouzapou. J'ai passé 3 jours à l'extrême pointe du nord-ouest la semaine dernière. La chaleur et l'hospitalité de ces gens vous attend. Le pays a besoin de vous. Il faut laisser un peu les grandes villes pour aller voir comment ces gens sont hospitaliers. Comment ce sont des gens brillants, des gens qui ont de l'espoir dans leurs yeux. Je vous demande, mes soeurs et mes frères du secteur privé, à marcher l'un à côté de l'autre, à marcher ensemble avec le gouvernement, avec l'État haïtien, pour donner à cette génération qui nous regarde, je veux parler de la génération future, de ces jeunes qui nous regardent, pour leur donner de l'espoir, pour leur dire, voilà le pays que nous rêvons pour eux. Parce qu'Haïti, aujourd'hui, je le dis, je le crois, ne va pas mourir. C'est un pays qui vous aime, et c'est un pays que vous aimez aussi. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Les fins d'année demeurent des périodes importantes pour nous autres Haïtiens. C'est le moment de renforcer la cohésion des liens entre parents, entre amis, mais aussi entre membres d'une institution ou d'un secteur d'activité donné. La communion et l'unité, tels sont les traits fondamentaux de l'esprit propre de ce moment particulier de l'année. Et c'est dans cet esprit qu'on s'efforce de vivifier à travers le partage des repas, les échanges de cadeaux. Parfait pour créer une ambiance agréable dans la famille, dans le cercle d'amis, dans l'institution ou dans l'entreprise. C'est l'occasion pour enterrer la rage de guerre, atténuer les tensions, voire les dissoudre complètement, afin de mieux se préparer à entrer dans la prochaine année en toute sérénité. En tant qu'élite de ce si beau pays, nous avons de nouvelles dispositions à prendre collectivement. Il s'agit de nous donner les moyens de mieux faire face aux défis qui se sont révélés dans toute leur acuité au cours de cette année 2020 et qui ont mis en évidence notre vulnérabilité en tant que nation. Le premier défi concerne la protection de l'ordre et de la sécurité publique. Au cours de cette année 2020, on a assisté à un phénomène inédit. Le banditisme devient l'industrie la plus florissante du pays. Des réseaux de trafic illicite transnationaux alimentent en armes et en munitions des groupes. En retour, ces groupes
montrent des opérations de kidnapping, de braquage d'institutions financières et commerciales, d'attaques armées sur des citoyens et plusieurs assassinats. Ce qui est ici en jeu, c'est notre liberté d'aller et de revenir sur tout le territoire national. C'est la sécurité de nos investissements. C'est aussi la préservation de notre mode de vie. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership éclairé du président de la République devra tout mettre en œuvre pour offrir une protection adéquate à tous les citoyens, les mettre à l'abri des activités de ces groupes qui ont mis nos forces de l'ordre à rude épreuve. Le deuxième défi met en exergue le redressement de notre appareil productif. L'année 2020 est fortement marquée par trois autres phénomènes. La COVID-19, l'emballement du taux de change et l'explosion de l'inflation. La principale leçon que nous enseignent ces phénomènes est la prévoyance. La dépendance à l'importation n'est pas seulement un problème de balance commerciale, c'est aussi une source d'insécurité économique et financière pour le pays. La nation, une nation qui se respecte, doit pouvoir produire tous les biens de consommation du quotidien, des produits de lessive, liquide vaisselle, dentifrice, lait, jusqu'aux pièces de rechange pour les équipements industriels et les matériels roulants en passant par les produits alimentaires et pharmaceutiques. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens et l'énergie nécessaire pour réinventer la politique industrielle de la nation. Aider à la mise à niveau des entreprises, nouvelles stratégies de renforcement des professions et des métiers, soutien à l'innovation, autant d'actions concrètes prévues dans le plan de relance économique post-COVID-19 pour la période 2020-2023 qui sera présentée au début du mois de janvier. Le troisième défi est la restauration de l'autorité de l'État. L'explosion de la violence, le désordre régnant sur le marché des changes, la spéculation des prix de consommation faisant grimper l'inflation, et j'en passe, qui ont marqué l'année 2020 sont liés à un problème central, la faiblesse de l'autorité de l'État. La capacité de sanctionner la violation des règles fiscales, commerciales, financières et comptables sont très faibles. La cause, c'est le mode de définition des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et de leur articulation par la Constitution de 1987. Cela crée une situation qui rend possible les ordres et les contrôles, la cacophonie à tous les étages, national et local, l'affirmation des rétentions les plus chaotiques. Tout le monde est à l'affût pour prendre la place du président de la République dont on cherche à précipiter la chute par tous les moyens. On demande la paix et la sécurité. On demande la protection des investissements. On demande la sécurisation de la propriété foncière. On demande des garanties du respect des contrats. On demande la stabilité du taux de change. On demande ci, on demande ça. Ce sont des demandes légitimes. Mais la réponse n'a rien de spontané. Elle ne possède nullement d'un coup de baguette magique. Ni le président de la République, ni le Premier ministre n'a ce pouvoir. Il faut des mécanismes institutionnels cohérents et pertinents par rapport à nos mœurs et coutumes politiques qui garantissent l'efficacité de l'État et doivent créer le cadre de satisfaction de ses demandes. D'où le lancement du grand chantier de la réforme du cadre constitutionnel du pays. Mesdames et messieurs, la protection de l'ordre et de la sécurité publique, le redressement de notre appareil productif et la restauration de l'autorité de l'État, tels sont les trois grands défis que nous devons relever, et ceci collectivement. Comme je le disais au début de mes propos, les fêtes de fin d'année représentent l'occasion pour renforcer les liens entre proches, parents et amis, entre collègues de travail, entre partenaires dans un même domaine,
l'engagement pour améliorer notre condition d'existence peut être un ciment qui nous unit. Et cela, au-delà du partage de repas et des échanges de cadeaux. Il faut mettre à profit ce temps qui nous est donné pour fêter, mais aussi pour prendre de bonnes résolutions. La nation compte sur nous en tant que ses élites. Je voudrais pour finir souhaiter à tous ceux qui nous ont honorés de leur présence ici ce soir une joyeuse fête de fin d'année. Recevez tous mes voeux de santé, de succès, de prospérité, de bonheur pour la nouvelle année qui s'en vient à grands pas. Je tiens aussi à souhaiter à notre mère, à tous, je veux parler d'Haïti, une année de paix, de sérénité, de concorde et de fraternité. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.